Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, wallah, je sais pas comment vous annoncer les choses. J'ai été mal et le bof le sait pendant une longue période. Ça fait il y a un an déjà, on a failli se quitter avec l'IA. C'était parti assez loin. Là, il y a encore 2 semaines et demie, on a eu déjà une grosse embrouille avec l'IA aussi. Et je le dis que la prochaine fois qu'on aurait des embrouilles comme ça, je partirai, que j'en avais marre en fait. Que je voulais qu'elle soit heureuse et je voulais être heureux. Donc ce titre, c'est pas pour Dahak. En ce moment, vous avez vu beaucoup de titres assez similaires à celui-ci. Mais à chaque fois dans ces titres-là, en fait, il y avait vraiment une part de réalité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand l'IA marquait Abdel me quitte? Bah en réalité, en fait, même si c'était genre quitter la maison, vous voyez ou pas, le titre, il était réel. Vous voyez ou pas? Et Wallah El Adim, que c'est pas un prank. Wallah El Adim, sur la tête de ma petite sœur Norhane, c'est pas un prank. Et sur la tête de ma petite sœur Norhane, sur ce que j'ai de plus cher, il y a eu ni tromperie d'un côté ni de l'autre, il y a eu ni bagarre ni rien. Astaghfirullah ya Rabbi, on est allé à la Mecque, il n'y a rien eu ni à droite ni à gauche. Voilà. On a vécu très très longtemps ensemble, on a vécu heureux pendant très très longtemps. Et ces derniers temps, on est de moins en moins heureux, on s'embrouille de plus en plus, on n'est pas bien. J'ai pas envie de lui faire du mal, elle a pas envie de me faire du mal. D'ailleurs, c'est pour ça hier que j'ai pété l'armoire avec les mains, parce que hier, Lia et moi, bah, on n'était plus ensemble, on s'est retrouvés. On s'est parlé pas très très bien, voilà. Plus le voyage de Marseille, plus mon album, plus la fatigue. Le plus près, c'était l'armoire. T'as lâché et t'as fait l'armoire. Voilà, c'était l'armoire la plus proche. Bien, on n'a pas, voilà, pas de punching ball. Ouais. Faudrait des fois acheter un punching ball. Il est en haut, le punching ball, en fait. Ah oui, c'est vrai, on en a. Voilà, il est en haut. Bref, en tout cas, voilà. On n'est plus ensemble avec l'IA, ça ne change rien à la chaîne GameX13, ça ne change rien, on a mûrement réfléchi, ça fait à peu près une semaine et demie qu'on en parle, voilà, on a mûrement réfléchi tous les deux, voilà, le bof, je te laisserai donner ton avis, voilà, mais moi, tu le connais, le bof, il a essayé, voilà, de m'expliquer les choses, mais je lui dis, je suis plus heureux, le bof, elle est plus heureuse, on a fait la Mecque ensemble, je veux pas qu'on se quitte comme les jeunes d'aujourd'hui, on s'insulte sur les réseaux et on se quitte comme des chiens. Je veux pas, frère. On est allé à la Mecque. On est allé à la Mecque ensemble. Ça veut dire, frérot, on est censé être grand dans la tête. Ça veut dire, je préfère qu'on parle ensemble, qu'on continue à travailler ensemble, parce que GameX13, c'est grâce à elle aussi. C'est grâce à elle aussi. Et c'est pour ça que GameX13, elle doit rester dessus. Même si on n'est plus ensemble. Voilà, même si on n'est plus ensemble. Pour moi, elle continuera à prendre ses plus de 3000 balles par mois. Elle continuera à bosser sur la chaîne GameX13, à se mettre bien. C'est tout. Aujourd'hui, c'est GameX13. Si moi, je suis là, je suis très reconnaissant. Mes abonnés, ça, vous le savez, c'est grâce à vous. C'est grâce à ma femme aussi qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours aidé. Donc, elle restera sur la chaîne GameX13. Ça ne change rien. J'avais vu les abonnés, il dit encore ma femme. Hein. Voilà, non mais, t'as compris. T'as compris le bof. Non mais, t'as compris. C'est très bien, ça m'a arraché le cœur. Tu sais comment je suis. Je suis pas quelqu'un qui va pleurer, mais tu sais qu'ici, frère, ça prend cher, tu vois. À Marseille, j'étais pas bien. Les gens m'ont dit, t'es pas bien. Et tellement, c'est la première fois que ça m'arrive psychologiquement. J'ai préféré en parler à des gens que je connais pas trop ou pas du tout. Des fois, ça fait du bien. Qu'à ma famille, frère. Même ma mère, elle me disait, mon fils, t'es pas bien. Ma mère, elle me disait, mon fils, t'es pas bien. Ma mère, wallah, de demander à mon pote Yassine, elle pleurait. Il y a 2 jours, elle pleurait. Elle me dit, mon fils, t'es pas bien, tu me caches un truc. Ma cousine, t'as vu, Amel. Ma grand-mère, c'est pareil. Et là, dites-vous qu'ils vont le savoir en vidéo. Ils vont même pas le savoir. Je sais pas pourquoi j'ai pas osé le dire à ma famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le. Je sais pas, c'est le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Il y a des trucs, tu préfères en parler à des gens que limite tu connais même pas qu'à ta famille. Parce que t'as pas envie de. Les blesser. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? En même temps, ils aiment bien l'IA, voilà. Comme ils. C'est normal. Hein, voilà, tu vois ce que je veux dire. Vous êtes ensemble. Voilà. Et j'ai pas envie de la quitter. J'ai pas envie de la quitter. Alors, c'est clair, on sera peut-être pas les meilleurs amis du monde et tout. Mais j'ai remarqué avec l'IA, je lui dis, en fait, on s'entend trop trop bien. Mais c'est dans le relationnel qu'on pète un câble à chaque fois. C'est notre amour qui brise comme si, tu sais, l'amour, c'est comme si t'étais ami et en même temps amoureux, tu vois. Et on a un côté où on est ami, on rigole bien, et quand on commence à rentrer un peu dans l'intimité, en parler de nous, non, on s'embrouille. C'est que je lui dis, à un moment donné, on se ment. Elle me dit, mais comment ça? Je lui dis, en fait, on a tellement vécu pendant longtemps ensemble, on était amoureux, on a vécu tellement longtemps ensemble, qu'on s'est habitué l'un à l'autre. Et en fait, là, on vit pour juste être ensemble. Parce qu'elle m'a dit, je peux pas vivre sans toi. Et moi, je lui dis, je peux pas vivre sans toi non plus. C'est compliqué, en fait, de vivre. Au bout de 10 ans, frérot. 10 ans, frérot. 10 ans. Tu dois refaire toute ta vie. Moi, c'est comme si là, tu me dis sans Aurélie, je me vois pas vivre sans Aurélie. Tu vois? Pourtant, et voilà. Elle est chiante, mais je me vois pas vivre sans elle. Et là, je vais peut-être passer les moments les plus difficiles. Et je remercierai en tout cas les abonnés, comme d'habitude, qui me soutiendront toujours. Les filles, les garçons, je vous remercierai toujours. Voilà, c'est des moments difficiles. Je vais pas vous mentir.
J'ai pas envie de faire la même erreur que la plupart d'entre nous, nos parents ont fait. Voilà. J'ai peur de cette erreur-là. J'ai peur de forcer encore le couple. Ouais, Dans une semaine, on va se pas s'embrouiller. rembrouiller. Je vais aller encore plus loin. Je vais encore plus péter un câble. Je vais partir pendant 8 mois à Monaco ou je vais partir au Brésil, à Rio de Janeiro. Je vais disparaître de Mixer, de YouTube. J'ai pas envie. Non, mais non, non, J'ai pas non, envie de ça je ça. te le dis, ça le bon. J'ai pas Non, envie de. ouais, c'est pour J'ai pas ça envie que de je faire un t'appelais tous les burn-out. jours, Tu c'est vois ce pour que je ça veux que dire ou je pas? t'appelais tous les J'ai pas jours et envie je de te faire un disais burn-out. Je bof, suis les humain. vidéos, les J'ai des vidéos. sentiments, mais on n'est plus heureux comme avant. 9-10 ans, on n'est plus heureux comme avant. T'as bien vu? Elle est sur GTA, je suis devant elle. Tu vois, elle joue. On se calcule plus. Tu vois, on n'est plus. Y a plus ce petit truc, Il n'y quoi. a plus ce petit truc. Il n'y a plus ce petit Après, c'est truc de dommage, on est hein. heureux d'être ensemble. Ouais. Tu vois. Mais voilà. Tu voulais donner un peu ton avis? Vas-y, je te laisse le Bon, donner. moi, je Mais en t'ai tout dit, hein. cas, ça fait 1 an et demi, oui, qu'on y avait déjà pensé il y a un an et demi. Mais alhamdoulilah, on a toujours su se remettre dans les rails. Mais je vous mens pas, mes abonnés. J'ai peur, en fait. Réellement, ma plus grosse peur, c'est quoi? C'est de me rembrouiller avec elle, même dans une semaine. Donc c'est pour ça que je préfère arrêter. Je préfère vraiment qu'on arrête. Et le truc, c'est qu'en fait, je sais que on peut se remettre, mais ça va durer une semaine et demie, et bam! Et imagine, là, on fait un enfant. Non. J'aurais pas le cœur de la laisser Non, avec mais tu l'enfant peux toute plus. seule. Donc ça veut dire, elle va être malheureuse avec moi, je vais être malheureux avec elle, et l'enfant au milieu va être malheureux Non, aussi. mais Ça sert à quoi? bon. Après, Pour c'est moi, ta un enfant, décision. pour moi, un enfant, pour être heureux, on a, en fait, avec l'IA, on a traîné au niveau de tout. Ouais, mais On a moi. traîné au niveau mariage, on a traîné au niveau bébé. Alors tout ça, c'est des projets d'une vie, on les aurait fait, ça serait différent, tu vois. On aurait eu peut-être un enfant, tu sais, au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça aurait rebalancé le truc, tu vois. Au bout de 4, 5, 6 ans, mariage, bam, ça rebalance un peu le truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, tu vois, je suis quelqu'un quand même, t'as vu, en plus, je suis quelqu'un, pour me faire pleurer, pour me faire Ah, c'est tomber, dur, hein? faut y aller, hein. Ah, ouais, Faut y hein? aller quand même, faut y aller. Ah, mais c'est ta femme, frérot. Tu sais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut y aller. C'est pas ta copine, Voilà, c'est ta femme. exactement. Comme je t'expliquais, ça Voilà. fait 10 ans. Après, on a eu de la chance. Bon, c'est C'est vrai qu'on dur, a c'est deux dur. sœurs. Je voulais pas vous le dire en fait, mais c'est dur de voir les abonnés deviner ce qui se passe et d'être là comme ça. Prince, il est arrivé. Limite, il a l'impression que je l'ai pas calculé. Mais c'est pas Pourquoi il est où, que quoi? mon Je l'ai cœur il même est en pas vu. train, il en, mon cœur il est en train de brûler, tu vois. Et il le sait pas, Prince, parce qu'il sait peut-être Ouais. lui d'apprendre mal dans sa tête, de se dire cet enfoiré, il est même pas venu me voir. Bah. Et il le sait pas en fait que je suis là et j'ai des, tu T'as pas sais, envie. je prends des patates dans la tête en ce Non, moment pas envie. et je suis là et j'encaisse. Vas-y, bah donne ton avis un petit peu le bof, Non, vas-y, moi, de tu toute veux. façon, comme je t'ai dit, hein, le beau frère, moi, comme je t'ai dit, t'es mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, t'as capté. Même si demain, elle a un autre homme, ce sera jamais mon beau-frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera mon beau-frère, mais ça sera jamais mon beau-frère comme toi. Comme si toi, demain, t'as une femme, ce sera jamais ma belle-sœur comme elle, c'est ma belle-sœur. Tu C'est vois ce clair. que je veux dire? Ça, je te l'ai toujours dit. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Tu vois, moi, ça me fait chier que vous vous séparez. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. C'est vrai. Vous avez tout construit ensemble. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. En fait, vous êtes du de zéro. C'est pas comme si vous avez. Là, vous êtes parti de zéro. Non, mais vraiment zéro, zéro, zéro. Chez Mimi, à rien avoir. Et là, maintenant, à avoir C'est tout. pour ça que je Tu lui dis, vois? moi, je lui dis, elle continuera à bosser avec moi. Tu vois, et c'est ça, faut pas Pour que vous certains, détruisez, faut pas que vous alors les détruisez. couples, ça peut fonctionner de plusieurs manières. Ça peut fonctionner de Ouais. plusieurs manières. Ça c'est des paramètres que seul l'être humain va choisir. Il y en a certains, ils préfèrent se haïr. Il y en a d'autres, ils préfèrent se relaisser des chances. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Alors je vous rassure, en 9 ans, en 9 ans, j'en étais à la limite. Ouais, est-ce que je dis ou pas? En 9 ans de relation, 9 ans, 9 années. Mais seulement, c'est une personne, j'ai pas envie d'haïr une personne que j'ai aimée. Eh oui, bah J'ai surtout pas elle. envie de Moi, c'est ce détester que une je veux personne dire. que Faut j'ai pas que vous aimée. haïssiez, parce qu'avec tout ce que Voilà. vous avez J'ai pas envie construit, de faut pas fonctionner ça. avec ce nouveau état d'esprit de Non, 2020. non. Tu vois ce que je veux Je dire? l'ai dit, le Ça, c'est beau. les Tu peux gens pas qui ont. l'haïr. Ils se détestent, s'allument C'est. sur les réseaux. Lui, il a ça. Lui, il a ça. Non, Non, c'est pas pas là. ça. Ça veut dire que vous êtes pas aimé. Ouais. T'as pas aimé l'autre personne si tu veux lui faire du mal après. C'est Tu pas l'as pas possible. aimé. Pas possible. Là, tu peux lui vouloir que son bien. Surtout, Voilà. comme je t'ai dit, en plus, le pire qu'il y a eu dans toute votre relation en 10 ans, ok, on a deux sœurs, c'est les mêmes. On a deux sœurs, c'est les mêmes. Elles sont casse-couilles. Mais quand je vous dis elles sont casse-couilles niveau couple, bah, c'est casse-couilles. Nous, on a notre fierté de fou tous les deux. C'est ça le problème. Donc ça pète souvent en fait. C'est pour ça que ça Et pète en entre fait, elles. nous, vu que c'est des femmes qui sont Mais on très a très un fortes, avantage. Le seul avantage qu'on a eu avec ces femmes, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. elles sortent pas de la maison. Non, mais c'est Ça, déjà, surtout, elles on sortent pas de peut la maison, frère. partir. Ouais, non, Elles mais. sortent pas de la maison, On frérot. peut partir une semaine, on peut partir un an, on peut partir 2 ans, on sait très bien qu'on n'aura jamais un autre homme dans le lit, on sait très bien qu'elle Ouais. pourra. Ça, c'est clair et Ça, c'est le net. truc qu'on Et si tu peux me peut. préciser un Ça, c'est la truc, meilleure qualité qu'elles ont, et c'est voilà. ce que j'expliquais Ça, à Abdel tout à c'est l'une l'heure. des meilleures Sauf que tu veux qualités. la quitter, Ça bouge mais fais pas, attention parce ça qu'un bouge jour. pas de la maison.
Elle m'a jamais sorti, ouais, je vais avec... Elle a eu des potes, hein, Marseille. Hein. Elle m'a jamais dit, je vais aller avec une pote. Hein. Quand elle sort, c'est avec mes cousines ou mes sœurs, la plupart du temps. Hein. C'est extrêmement rare. Voilà. Et une femme comme ça, c'est vrai que ça court pas les rues. Voilà, ça court pas les rues, ça comme je dis, de toujours lui faire confiance. On peut leur faire confiance à 100% au niveau là. C'est pour ça que j'expliquais à Abdel tout à l'heure, je lui disais, le bof, t'es sûr que tu veux la quitter et tout. Fais gaffe, parce qu'un jour ou l'autre, tu te remettras avec une femme. Et est-ce que cette femme, elle te niquera pas ta vie, quoi? Bah en fait, déjà, moi je pense, je vais te dire la vérité, et je pense, je vais le dire aux abonnés, je vais le dire aux abonnés aussi, en fait, le truc c'est que Lia et moi, ça a été un grand coup de foudre, et ça a été le début de nos projets. Mais... Là, pour trouver quelqu'un d'autre, ça va être compliqué, parce que déjà, je vais prendre un peu de temps pour moi, je pense, mais je suis quelqu'un, oui, je suis quelqu'un, forcément, oui, j'aime pas la solitude, ça le bof, il le sait, j'ai toujours eu du monde chez moi, toujours eu du grabu, j'aime pas la solitude, mais seulement, là, trouver quelqu'un, je vous mens pas. Déjà, il y aura une différence avec Léa et moi. La personne, elle ne travaillera pas avec moi. Bon. Déjà ça, ça veut dire qu'on ne sera tu pas H24 ensemble. Tu ne peux pas la place de Léa. Voilà. Ça rien pour elle, tu ne peux pas lui enlever sa place. C'est impossible. Eh, mes abonnés, ils sont là. Ils connaissent leur tata, ils connaissent leur tonton. Oui. Jamais tata, on s'est fait un coup de pute. Bah, oui. Ça sera elle qui gérera les montages, à part si elle, elle veut arrêter. Ah, sinon, ça, c'est pas... voilà. Si elle veut continuer les montages, si elle... oh putain, elle a pété derrière. Ouais. Si elle veut continuer à prendre ses 3000 euros par mois, elle les prend. Non, mais ça, c'est normal, bon, tu le sais. Je suis pas un fils de... Tu connais, ah bah oui. On est des arabes, on a des principes, non, mais même, on a toi, des valeurs, tu connais. Bien, on est là, tu connais, frérot. On a toujours été là dans la à famille, ce niveau-là, on se laissera jamais, là, on n'a jamais volé quelqu'un. Ouais, oui. Et c'est pour ça que Dieu nous en donnera toujours. On n'a ah jamais bah oui. Volé quelqu'un. Ah bah oui, bon. Mais c'est jamais. Pour ça, toi. Après, moi, c'est normal c'est que tout. Mon point de vue à moi, ça me fait chier, toi. Ouais. Mais, comme a dit le bof, je vous avoue la vérité. Je me vois mal tout de suite, là, comme ça, à me remettre avec une meuf, là. Faire du vie avec moi. Habiter avec moi et tout. Non. Je l'accepterai pas, toi. Non, ça va être chaud. Je l'accepterai pas, toi. Tu acceptes pas quoi, toi? Je l'accepterai pas, le bof. Tu acceptes de quoi, toi? J'ai pris la misère. Mais tu seras même pas là, tu vas dégager, toi. J'ai fait la misère. J'ai fait la non, misère. Non, voilà, donc. Ouais, voilà. Voilà. Pff, voilà. Après, voilà, mais je pense après, ça peut s'arranger peut-être, mais là, maintenant, il faut laisser du temps. Hein. Non. Non, moi, je. Ça, c'est vous qui décidez. Hein, on s'est arrangé tellement de fois, le bof, que là. Moi, je peux pas vous le dire. Moi, je suis en point de vue bof, tu vois, je suis pas en point de vue, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, t'as bien vu, hein. Ça fait plus combien de jours que j'ai pas mangé. J'ai pris la route de Marseille, j'ai pas mangé. Hier, t'as vu le tacos? J'ai mangé un croc, je l'ai posé, j'ai pas mangé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé? Ouais. Ça fait 3 jours, j'ai pas mangé. Donc, tu vas manger, là. On va aller manger après, des frites. En fait, l'amour, ça peut être la ça meilleure tue. Des choses. Et ça peut être la pire des choses. J'ai mon truc qui est en train de revenir. Tu vois? Ça, c'est le stress. Tu vois? Voilà. Moi, dès que c'est ça là, le bof. Moi, c'est je... Parce que je me dis, plus je vais passer de temps avec elle, et plus pour un jour. Partir chacun de son côté, ça va être de pire en pire. Ah ben, plus on passe de temps, plus ça va être de pire en pire. Donc là, le bof, c'est pour ça que je préfère un... Tu vois hein. Bah après, c'est ton choix. Hein. Comme j'ai dit, je peux pas décider de ton choix. Tu vois. On en a parlé avec elle. Hein. Pour ceux qui se demanderont, on en a parlé avec elle. Et voilà. Elle a du mal, j'ai du mal aussi. Elle voit mal sa vie sans moi, je vois mal ma vie sans elle. Mais on est des grands garçons et des grandes filles. On n'a qu'une vie sur Terre. Elle mérite d'être heureuse jusqu'à la fin. Je mérite d'être heureux jusqu'à la fin. Elle a encore 30 ans, elle est encore jeune, elle n'a pas encore 45 ans, elle a un enfant, hein, parce que bon, si je commence à avoir un enfant, je la quitte, elle a 42 balais, j'ai 38 balais, qu'est-ce que tu vas faire après de ta vie? Ah bah elle est finie ta vie. Bah elle est finie ta vie frère, t'as 38 ans, elle a 40, 45 ans, elle a un enfant, t'as un enfant. Tu vas faire quoi? Bah t'es cuit. T'es cuit. Et voilà le bof, comme je t'ai dit, nous on est là. De toute façon, quand je t'ai dit, moi je voilà suis là, tienne. On est là. Voilà, voilà. Les abonnés ils sont là. Bon, on en est tout là. Cas, ça continue les gars. Voilà. On continue à bosser, elle et moi, vous inquiétez pas. La chaîne Gaming Stress, ça ne changera rien. De toute façon, l'IA, c'est vrai qu'elle ne s'est pas souvent montrée et tout. Ça ne changera rien, la famille. Voilà, ça ne changera rien. Comme mon album l'a dit, toujours le même. On ne change pas. Voilà, on ne change pas. Je sais que certains vont peut-être en vouloir à l'IA ou vont m'en vouloir. Non, peut-être. Quoi. Non, mais non. Peut-être. Je sais que certains n'ont pas assez de recul. Ça, on peut, là, ça, les mais, abonnés, vous pouvez pas voir, tu vois, mais, comme ouais, ça, c'est le choix de l'amour. Ça, c'est le choix c'est de l'amour. Vie, c'est, vous aurez voilà. Peut-être un jour à le faire et je vous le souhaite pas. Vous aurez peut-être un jour à le faire. Mais je vous le croyez pas, hein, moi, ça me fait grave pas plaisir. Moi, j'essaye qu'ils se remettent ensemble. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'essaye, j'ai parlé longtemps à Adèle. Je lui ai dit, mais tu peux pas obliger quelqu'un, t'es pas dans son cœur, t'es pas dans sa tête. Comme moi, demain, je t'aurais dit un exemple, et le bof, il peut me dire ça, mais si tu l'as décidé dans ton cœur et dans ta tête, tu peux pas revenir. Tu peux pas revenir. Et moi, comme je disais, voilà, si voilà, il quitte bref, Lia, on il en quitte a parlé, une vraie, vraie femme. On en a parlé pendant un moment.
on va quand même essayer de continuer à bosser ensemble. Et c'est bizarre dit comme ça parce qu'aujourd'hui les gens vraiment préfèrent se haïr, se détester sur Internet. Comme je vous dis, je considère qu'on a fait la Mecque, on doit avoir plus de recul que ça. Et le prophète nous dira toujours, c'est tellement plus facile la haine, la méchanceté, l'énervement, s'énerver, Pourquoi? qu'en fait se Oui, mais pourquoi? contrôler ses pensées, essayer d'apprécier l'autre Oui, mais même si on n'est plus pourquoi tu veux... ensemble. Oui, mais pourquoi tu voudrais, en fait, au fond de toi, vouloir du mal à une Parce que, personne en ou fait, haïr une cette personne aujourd'hui, en alors que c'est une 2020, personne que tu en as 2020, aimée aujourd'hui, en et qui a toujours 2020, été là non mais pour attends, toi? en 2020, aujourd'hui, c'est une réalité, le bof. Oui, Très peu c'est de comme ça. gens Ouais. font comme nous. Les gens préfèrent se haïr Ah parce oui, que pour eux, c'est c'est plus plus facile de facile. se quitter. Sauf qu'en fait, oui, mais tu es quand même en train d'haïr un être T'as aimé. que tu as aimé, avec lequel tu as passé beaucoup Ouais, d'années. surtout que t'as jamais fait de crasse en Et tu n'as plus. jamais fait de crasse, Voilà. l'être. Tu Encore, vois? elle t'aurait fait C'est des un crasses. être, je te Voilà, parle tu d'un vois. être là. Tu le haïs, tu es obligé de l'haïr parce que ça te fait mal au cœur, mais ça te fait mal au cœur, tu sais, j'ai perdu mon oncle, j'ai pleuré pendant 2-3 jours. Tu vois? Mais la cicatrice, elle est là encore, tu vois? Mais ça guérit. J'ai pas réussi à quitter ma grand-mère au début, t'as bien vu? Frérot, j'ai dû prendre par enfin mon appart. J'ai dû quitter ma grand-mère, c'était dur. Voilà. Mais tu peux pas haïr Malheureusement, dans une la vie, on doit personne, faire des mais sacrifices. tu pourras pas l'haïr. Cette Je personne, peux Lia, plus, tu non, je pourras peux pas. jamais. Comme elle, elle pourra jamais te haïr, toi. Vous avez jamais fait de faute en 10 ans, vous avez toujours. Voilà, Voilà. à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon. Ciao tout Ciao. le monde! Gaming!